secret. Viking, craignez cette horreur féroce. Il existe vraiment ce monstre? Et il est si gros que ça? Personne ne le sait vraiment, car tous ceux qui ont croisé sa route ont disparu à jamais. On l'a surnommé Bessie l'affamée. Nous sommes des Vikings. Ce monstre ne nous arrive pas à la cheville. Personne ne peut vaincre cette créature. Elle est dotée de pouvoirs surnaturels. On ne peut espérer survivre qu'en lui donnant à manger encore et encore et encore. Arrête, Urob. Tu vas démonter le moral de tout l'équipage. Bien dit, Snor. On devrait être content. On a fait un pillage sensationnel. Imaginez la tête de Sven quand il verra qu'on l'a surpassé. Ouais, même si on n'a pas trouvé d'or, on est tombé sur un véritable trésor de fromage savoureux. Un froid pour les narines, mais succulent au palais. Et mon fromage? Nous sommes les Vikings de Fleck. Comment on fait pour l'ouvrir? Pourquoi as-tu emporté cette horreur? Ça fera très joli dans le salon. Je suis sûr qu'il va adorer. J'ai l'impression qu'un orage se prépare. Allons nous mettre à l'abri! On est déjà arrivé au Valhalla. J'ai l'honneur de vous présenter le terrible monstre. C'est ça le monstre? J'ai toujours pas pris mon petit déjeuner et on n'a plus rien à manger. Même pas l'ombre d'une crevette. Oh, bah c'est malin. À cause d'eux, on vient de perdre notre tout dernier tonneau d'eau douce. On doit retourner à terre pour se réapprovisionner. Oh, j'ai tellement faim que je commence à avoir des visions. Les pirates. Quoi? Sven! Amboram, matelot! Tirez! Oh! Pour l'honneur de Fleck, ramez plus vite! À vos postes de combat!
Lâche-moi! Je ne sais pas ce que c'est comme trésor, mais je peux vous dire que l'or n'a pas cette odeur. Où est mon butin? Et c'est tout ce que j'ai trouvé, capitaine. Lâche ça tout de suite. C'est un cadeau pour ma femme. Je suis sûr que t'as caché l'or des Bretons. Les gars, puisqu'on trouve pas l'or, on va s'arranger pour qu'ils le dépensent jamais. Ayez pitié. Ce qu'on n'a pas mangé, on l'a balancé au monstre. Il dit la vérité, laisse-nous partir, Sven. On est sur le territoire du terrible monstre Bessie l'affamé. Bessie l'affamé? Et pourquoi vous nous avez rien dit? Arrêtez-moi ces balivernes plus vite que ça. Quant à toi, mon gros poisson, tu vas apprendre ce que c'est que d'avoir vraiment faim. Un petit régime, ça peut pas vous faire de mal. Mais Sven, nous sommes déjà affamés. Non, c'est trop triste. J'en ai les larmes aux yeux. Amusez-vous bien. Sans nourriture, nous n'aurons bientôt que la peau sur les os. Tu as raison, on est sauvés. Capitaine, je crois que votre fils est resté trop longtemps au soleil. Non, écoutez, vous allez tous rentrer le ventre en même temps et moi, je vais glisser sous la corde. Ça va peut-être marcher. Faites ce qu'il vient de vous dire. Tout le monde respire à fond. Ta-da! Ça, c'est mon fils. Toujours aussi futé que son père. Et maintenant, nous allons récupérer ma statue. Mais comment va-t-on faire? J'ai une idée. Il faut qu'on retourne au repère du monstre. Au repère du monstre. Allez, les gars. Encore un petit effort. Essaye un dos. Attention, Fox. Et si le monstre dont il parlait, ce fameux Bessie l'affamé, était vraiment dans les parages? Tout ça, c'est de la superstition. Gavez-le, vite, lancez-lui d'autres choses à manger. Le monstre a encore faim. Ça fonctionne! Allez, Fox! Il s'enfuit! Oh, mais ils ont le cadeau, il va avec eux! Oh, fais ce que je vais te dire, mon papa! Kikidi! Stop
Non, je t'interdis de la lui donner. Allez, ramez. Maintenant, on a encore plus de provisions qu'avant. Qui disait que cette statue n'avait aucune valeur? C'est génial!